Soro, je suis inquiète. Les femmes sont en majorité impactées par les projets miniers, mais bénéficient peu des retombées provenant de ces projets. Kani, tu n'as plus à te faire des soucis. Désormais, il y a un cadre de concertation JAR et mines. Waouh! Quels sont les acteurs du cadre JAR et mines? Le cadre de concertation JAR et mines a été mis en place en juillet 2018 par les organisations de la société civile. Action Mine, l'ONG FCDEV, Mercom Guinée, RENACED, Kogi Femine, avec l'appui des partenaires au développement, notamment IFC, ZIZ et le CECI. L'objectif du cadre est d'unir les énergies entre acteurs et actrices pour une pleine participation et responsabilisation des femmes dans la gestion des ressources minières. Super! C'est dans cette optique que les membres du cadre ont initié l'organisation d'un forum national sur la problématique du JAR dans les mines. Elle permettra aussi une meilleure compréhension de la situation des femmes dans les zones minières en Guinée et favorisera leur inclusion dans le secteur. Ah, c'est une occasion pour mieux comprendre les principaux défis des femmes dans ces zones minières et les obstacles pour leur participation étendue dans la gouvernance minière. Ensemble, lors de ce forum, nous dégagerons des pistes de solutions et formulerons des engagements pour faire face aux inégalités entre hommes et femmes dans les secteurs miniers. Acteurs du secteur minier, adhérez à la réalisation et au suivi des recommandations issues de ce forum. Ce spot vous a été proposé par le cadre de concertation JAR et mines.